Et salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est affaissés dans notre canapé, et notre chaise plus précisément, ce n'est pas un canapé, puisque nous sommes confinés, et du coup, on va vous proposer, aujourd'hui, on s'est dit avec Mathieu, tiens, c'est bizarre, on va plus se voir depuis, pendant un an maintenant, on s'est dit, directement. Minimum. Voilà, minimum, là c'est vraiment le minimum syndical, et on s'est dit, pourquoi pas vous faire des let's play avec le formidable Tabletop Simulator. Bonsoir l'ami Mathieu, alors il faut qu'on vous précise que nous, on a mis ça en place, mais on se voit pas. Du coup, vous allez nous voir, mais nous, on se voit pas. On aurait juste les écouteurs pour se dire des conneries et des niaiseries. Comment ça va, Mathieu, avec ce confinement? Eh bien, ça va très bien. Est-ce que tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Est-ce que tu te mets à 8h du soir et tu fais ça dans ton balcon? Ah oui, oui, je le fais avec mon fils, qui adore ça. Ah, ben, lui, c'est juste parce qu'il veut sortir. Oui, c'est ça, c'est notre sortie de la journée. Donc on vous rappelle que si vous n'êtes pas au courant, il y a le confinement dû au coronavirus, le Covid-19, maintenant peut-être ils vont sortir un autre nom, le SRAS-49 ou autre truc comme ça, que vous n'êtes pas obligé de sortir, et ça c'est très très important, restez chez vous si c'est possible. Moi en même temps j'ai eu ma femme qui l'a eu, du coup je reste bien chez moi, là pour le coup je peux pas sortir, mais faites attention quand même, entre guillemets, et restez safe à côté. Ce soir, on vous propose du coup une partie avec le Rhino, vous allez voir ici, hop, qui est ici, alors il est un peu en biais, je suis désolé, hein, on n'a pas pu faire mieux là-dessus, qui est le tout premier en fait, Mathieu, hein, c'est les fractions avec le premier niveau, on ne s'est pas dit qu'on allait faire 2 et 3, 1 et 2 déjà, on s'est dit que c'était dur déjà, c'était compliqué. C'était un peu compliqué. Ici, vous allez avoir ma main de départ. Vous n'allez pas avoir la main de Mathieu, parce que bah, c'est enregistré directement sur ma main. Et auquel cas, de toute façon, vous n'avez pas besoin de voir sa main, parce que nous, on peut pas voir aussi nos propres mains respectives. Comme dans le jeu, ouais. Comme dans le jeu. Exactement. Nous rappelons que nous jouons Spider-Man pour toi, Peter Parker qui est ici. Je vous fais des zooms en plus. On est toujours à la pointe sur cette chaîne, qui est l'alter ego scientifique génie, qui te permet d'avoir une ressource supplémentaire. De générer une ressource scientifique, pardon. Et à côté de ça, il y a Tony Stark qui est Iron Man, qui lui est futuriste, qui permet pour une action, messieurs dames, de regarder les 3 cartes du dessus du deck et d'en ajouter un à la main et de défausser les autres. Ça permet de vite récupérer son setup d'armement, etc. Mmh. Alors, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence comme tu veux? Je te laisse la main pour le début de... Hop, tu me laisses la main, je prends le petit jeton comme ça, là. On peut flipper le jeton? Ah putain, c'est ouf. On peut flipper même le jeton. Oui, tu vas tout flipper. Tu sais. C'est ça. Clac, clac, je flippe ça et tout. Hop, là, regarde. Hey. Alors du coup, on va commencer. On rappelle qu'on joue nos cartes. On les paye avec des ressources qui sont ici en bas à gauche. En haut à gauche, vous avez le coût de ressources. Donc, par exemple, je vais jouer, moi, ici, le rayon répulsif qui est là. Hop, qui me permet de l'action du héros, uniquement quand je suis en héros, d'infliger un dégât à un ennemi et de défausser les 5 cartes. Mais j'ai fait de la merde parce que c'est pas celui-ci que je voulais jouer. Je voulais prendre je voulais prendre mon gantelet que je n'ai pas. Et j'étais très content en disant, je commence avec le gantelet. Mais non, je commence avec de la merde. Et ben. Mais c'est pas bien grave. Première partie. Voilà. Première partie, c'est du caca. On s'en fout, on en a rien à cirer. Eh ben, écoutez, messieurs, dames. ça m'arrange pas. Je vais faire, du coup, action. Je regarde les 3 cartes au-dessus de mon deck. Et j'en ajoute un à ma main et j'enlève les autres. Alors, du coup, je vais rajouter ça à ma main. C'est quoi, ça? Si je flippe. D'accord. Donc ça fait partie de ça. Ça, c'est quoi? Ok. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ici? Oh, j'ai que de la merde. Et on me dit quoi? C'est quoi? C'est une carte à votre main et défausser le reste. Oh, putain, c'est pourri ça. Et ben, je vais défausser ça. Je vais défausser ça aussi. J'en avais deux. C'est pas grave, je vais les mettre là. Pour 2, je vais faire ça. Et c'est toi qui vas taper un peu. Je sais que t'es fort. Je vais te donner ça. Ok. Merci. Qui permet, hop, de donner une attaque supplémentaire, plus un attaque supplémentaire, l'entraînement de combat à Spider-Man. Donc j'ai fait ça, j'ai défaussé une carte pour jouer ça déjà, ou pas du tout? Oui, j'ai jeté cette carte. J'ai joué mon 2, ouais, c'est ça. C'est un peu dur quand on n'a pas les cartes en main, hein. C'est compliqué. C'est pas évident. C'est la merde. C'est pas évident. Ouais, c'est la merde. Non, c'est pas évident. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais... Putain, que c'est de la merde, c'est aussi... Oh, ben je sais même pas quoi faire le avec mot ça. De la soirée quoi. Bah tiens, je vais jouer cette connasse, je vais la mettre là.
Non, tu peux pas dire ça. Je vais jouer Tigra, je vais enlever War Machine, je vais enlever l'Uppercut, Oh putain, dommage. Ouais, donc ça, je suis obligé. Comment on incline? Tu sais comment on fait une. Hop, non, oui. On peut pas. C'est comment tu l'inclines le truc? J'appuie sur T. Ah, sur T? Comme ça que je fais mon. D'accord, moi, je voilà. Mon clavier, comme ça. Ok. Merde. Ok, super. Je te fais pour toi, si tu. Alors, il faut que je fasse ça. Non, merde, moi ça sautille, regarde. D'accord. Ça marche. Bah, vous voyez que c'est. De toute façon, c'est un let's play qui promet, encore une fois. Mais c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, voilà, c'est eux. Donc ça, j'ai fait ça pour l'action avec lui, là. Je vais pas mettre en Iron Man, ça pue du cul. Et je pense qu'on va peut-être infliger deux. Après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire, soigné là de 1. Bon, je vais faire ça, tiens. Hop. Et je vais infliger deux chez lui. Ok, deux. Ça marche. 26. Il est là, là. Okay. 26. Oui, et je crois que c'est tout, hein. Je vais faire que ça, j'ai rien d'autre à faire. Putain, c'est la merde! Oh! Quelle main de merde! Ah bah ça va. Alors. On rappelle qu'on a fait un mulligan en plus, hein. Oui, on a fait le mulligan en plus. C'est une honte. Alors moi, je vais jeter ces cartes-là. Ouais. Le pouvoir de la protection. Celle-ci. Le premier soin. Pour mettre ça. D'accord. Ah oui, l'équipe médicale qui permet de soigner des mecs et t'as 3 jetons et tu l'actives. C'est ça. C'est bon ça. On met 3 jetons ici, toc, ça c'est le début de ma première action. Et après je vais jeter le sang de l'araignée. Ah oui, tu jettes ça? Bah ouais, malheureusement. Ah, ça c'est fort ça. Ça. Bah ouais, je sais. Ça c'est bien ça. Ah mais c'est mieux ça. Mais je préfère mettre ça. Est-ce que tu as utilisé ton 1 de ressources? Parce que tu peux utiliser ton 1 de ressources de Peter Parker et reprendre ta carte, là. Hein. Pour utiliser oui, ton lance-toile. Utilise ah, oui, plus exact. Le ouais, la ressource, le machin, et tu récupères ton sens de l'araignée. Mais t'as même pas besoin, en fait, de l'incliner, je crois. Parce que c'est une ressource, tu génères une ressource par round. Ah oui, exact, c'est pas son action, là. Autant pour moi. Ouais. Non, mais on s'est pas joué. En fait, on s'est lancé. Oui, c'est ça. On s'est lancé, on s'est pas joué. On s'est lancé en disant machin. D'ailleurs, je vais mettre un dommage à madame, hein, parce qu'elle s'est pris un dommage aussi. Voilà. Donc, moi, c'est bon. Ok. Pour mon tour. Et puis, je vais rester comme ça. Ok. Et eh ben, c'est entretien. Hop. Du coup, on retape tous les trucs. Hop. Et on pioche nos cartes. Hein. C'est parti. Y a pas un raccourci pour draw, c'est relou, hein. Bah, non. Je suis toujours contre comme ça. Putain, mais j'ai que de la merde encore, mon dieu! C'est terrible! Arrête de Non, mais c'est terrible. J'ai même pas mon armure, mais je crois que ça va être la misère là, pour oui, récupérer l'armure. Ça va être compliqué, la sortie d'armure. C'est bon, t'as récupéré des cartes? Ouais, c'est un peu le problème de ton Iron Man. Ouais, moi j'ai pas mes trucs, je suis dans la merde. Bah, je vais encore faire le futur et tout pour voir si je peux toper des trucs. On passe du coup au Rhino. Rhino, lui, eh bien, il va faire une. C'est quoi, c'est sa manigance? C'est 2 par truc. Hein. C'est ça. Donc on va lui mettre. Un ici, et un autre ici. Ensuite, bah, il va manigancer, donc il manigance de 2, et on est obligé de flipper une carte, alors du coup, ici. Oui. Donc on la récupère comme ça, on fait ça. Merde, j'ai récupéré le deck. Voilà. J'ai récupéré le deck. Donc, 0, c'est... Ok, donc okay. Il manigance de 2. Non, de 1, de 1, de 1, et oh, et oh. De 1. Et deuxième, pareil, il manigance de 2, par contre. Il a plus 1. D'accord, donc on met un 3 pour moi, et toi c'était 2 avec ça? Oui. Ok, bah les 2 ils sont il là, putain, base, c'est... Bon, ok on va mettre les 5, tac, on va mettre 5 directement. Oh, putain, 5 déjà en un tour. 5 sur 14, ouais. C'est chaud. Donc après tu tires ta carte, yes. Je te la pose, je te la mets ici. Yes, et ben c'est parti, la mienne je flippe, et ben c'est héros, le méchant, non c'est mort, et ben ça gagne renfort, donc il faut m'en tirer une autre. Ah merde, excuse-moi, c'est celle-ci. Non, 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 t'as bien fait. Non, non, la tienne, c'est celle-là, parce qu'on est obligé de tirer les deux et de résoudre. Si, 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 si. Ok, d'accord. Donc ça, normalement, tu dois attendre, machin, c'est pas grave. Et là, je récupère. Merde, putain, comment je fais pour récupérer? C'est pas possible. Et ça, c'est quoi? Et allez, renfort, encore une autre. Putain, mais on va faire tout le deck. C'est un truc de ouf. Alors, si alerte à la bombe est en jeu, répartissez X dégâts. Non, si alerte à la bombe n'est pas en jeu, et renfort.
C'est la partie Bénéhil. Oui, c'est clair. Donner cette carte tenace. Ok, donc il sera tenace. Tac. C'est oh, putain, la vache. Laisse-moi faire les cartes. Ça va être la misère. Oui, parce que moi, je sais pas gérer tout ça, ça m'énerve. On a qu'un seul que... Eh ben, ça se met là. Et voilà, toi, du coup, t'as le truc aussi. Hein. Oui. Tu dois lui donner ça. Attacher cette carte. Oh là là là. C'est bien parce qu'on, c'est bien qu'on ait pris niveau 1. Parce que parce qu'on s'est dit que c'était, ça allait être compliqué. Bon bah tiens, c'est à toi de jouer. On va tester le nouveau mode de jeu, parce qu'il y a deux nouveaux modes de jeu qui sont sortis, c'est le mode facile et le mode héroïque. Le mode facile, il faut défoncer juste après fois le rival, c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça, on va faire le mode facile pour la première, parce que là on se ridiculise déjà sur la toile du web. Donc c'est un peu la, misère. On est en train de se faire niquer comme il faut. Alors, vas-y, je dépense cette carte-là pour m'équiper de ça. Mais tu peux le faire avec ton truc, là, avec la ressource scientifique. Oui. Laisse-moi faire. Allez, vas-y. La ressource scientifique de Peter Parker, je vais mettre ça. Alors, ah. Par contre, je suis limité, je crois. Soutien, amélioration, non, j'ai tout ce qu'il faut en amélioration. Amélioration, ouais, je peux pas avoir plus de 3 améliorations. Non, non, tu peux une carte... Non, mais pourquoi je joue ça, moi, je suis con. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, que tu voulais mettre quoi non, d'autre? Je dépense ma ressource donc de Peter Parker. Oui. Pour dépenser, voilà. Donc ça, c'est fait. Ouais. Maintenant, je me retourne. Hop là. Et j'attaque le rhino. Eh ben, tu lui colles 3, monsieur. 3. Mais je te laisserai manigancer, pour le coup. Ça fait 23. Ouh, tu sais quoi? Allez, vas-y, on va s'enflammer. Je jette Thor. Hulk, ouais. Nick Fury. Bon, 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 bon. Alors on rappelle que lui, il a une réponse forcée dès qu'il rentre en jeu. On choisit une option, c'est soit tu retires 2 menaces d'une manigance, soit tu pioches 3, soit t'infliges 4 dégâts. Je pense que là, on va retirer 2 manigances. Ouais, si tu veux, ouais. Donc on passe à 3. Ouais. Et puis, il va lui attaquer. D'accord. Et il va attaquer donc le rival, il va lui infliger donc 2 points de dégâts. Et il prend combien? Il prend 1. Pour qui il prendrait 1? Bah parce que t'attaques, regarde. Quand tu attaques. Okay. Ah oui, là on est en filet libre, là. Là on est sur roue libre dans le jeu, on s'en va. Bien sûr, mais... Et donc c'est fini pour mon tour. Tiens, je te mets ton petit point ici. Et ben ok, putain, moi je vais pas faire de grands trucs, hein, malheureusement. Je vais faire encore la vision avec lui, hein. Je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck. Ouais, et bah, je vais défausser. Je peux te filer un coup de main de toute façon. Donc, ouais. Donc 3 cartes du dessus. Alors la première, c'est ça. C'est de la merde. La deuxième, c'est ça. Ok, c'est bien. La troisième, c'est ça. Ok, c'est bien. Alors, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Bim. Et je vais mettre ça. Ensuite, pour 1. Pour 1 ou pour 2? Allez, pour 2, je vais mettre la tour Stark, qui est là. Oui. La tour Stark, elle me permet quoi? Elle permet de récupérer, en fait, l'amélioration tech la plus proche du dessous de ma pile, de défausse. Sachant que j'ai jeté mon truc, là, mon gantelet, du coup, je vais la récupérer. Oui. Donc ça, je joue ça pour 2, je mets ça là. Ensuite, ça, c'est action d'alter ego. Incliner la tour Stark. Hop, on va l'incliner. Je récupère celui-ci, le gantelet, que je mets là. Donc ça, tout vient ici. Hop. Oui, excusez-moi du peu, hein. C'est vrai que le setup est un peu compliqué. Le board, là, c'est un peu la misère. Donc je vais mettre ça ici. Ensuite... Après, c'est une première, il faut que les gens après nous disent ce qu'ils en pensent. Oui. Mais ils vont dire que c'était mortel, parce qu'on les a fait rire. Alors pour un, je vais mettre du coup mes petites bottes fusées. Pa-pa-pam. Qui me permettent de gagner un point de vie. Donc je monte à 10. Hop. Et qui me permettent surtout de dépenser une ressource scientifique et je gagne le trait aérien. Et quand tu gagnes le trait aérien, c'est bien. Tu vas pouvoir taper plus fort. On va faire plus de combos. Ensuite, je vire ces 2 cartes. Hop. Et je vais mettre mon gantelet qui est là. Tac. Enfin, le fameux gantelet. Voilà, qui me permet d'incliner le gantelet pour infliger un dégât à un ennemi ou 2 dégâts si je suis aérien. Et donc vous voyez qu'il y a la combo en fait quand vous êtes là. Et ben vous défaussez un truc scientifique pour être aérien et là vous infligez plus de dégâts avec des super trucs de la mort. Mais je vais peut-être encore rester comme ça hein, parce que là on va se prendre des dégâts de ouf.
ça va être un peu compliqué. J'ai fait quelques dégâts, moi, j'ai fait baisser sa manigance. Ouais, je pourrais faire ça aussi avec Cheetah aussi. Hein. Avec Tigrin, putain, la fatigue. Mais c'est le confinement, c'est le confinement. Ça rend fou. Avec Tigra, pardon, qui permet, parce que du coup, je pourrais la donner à bouffer, mais en alter ego. Alors, lui, déjà, c'est combien, lui, ici? C'est, taille de main, ouais, c'est la merde, ouais. C'est la merde. J'aurais que deux en taille de main, c'est trop dur. Je vais encore me laisser un tour. T'as déjà deux pièces d'armure. Ouais, je vais me laisser encore un tour, parce que c'est chaud. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait mon calcul avec Nick Fury, en fait. Je pense que c'est mieux de la jouer comme ça. Je vais peut-être lui mettre quand même deux, c'est pas négligeable. Ouais, mets-lui deux. Je vais lui mettre deux, comme ça je lui mets encore un ici. Tac. Okay. Voilà. Il passe à 19, et Iron Man, tu peux réduire de 3 la manigance, ce qui fait qu'on va tomber. Non, je peux pas, je peux pas. Je peux juste récupérer 2-3, moi, avec Tony Stark. Iron Man, je peux rien faire, je suis en mode machine. Ah oui, putain, excuse-moi. Ouais, non, mais ça en est fatigué. Non, je pensais que t'étais en... Non, justement, non, je voulais pas mettre un truc. Pauvre, ça va être la misère. Eh ben, on peut récupérer nos tailles de main, là, directement. Donc, allez, hop, c'est parti. 1, 2... Ok, 4, 5, et 6, mais je n'ai pas encore mon armure. Non, par contre, moi, Nick Fury quitte, ou il attend le... Je sais jamais s'il doit quitter maintenant, ou s'il attend la fin du round. À la fin du round, c'est la fin où lui, il a joué, quoi. Ok, d'accord. Donc tu vas pouvoir absorber avec lui les 3 de dégâts là, qu'il pourra te mettre, et machin. Donc il manigance de 2, hein. Oui, il manigance de 2, c'est ça. Alors, après, moi, il va m'attaquer. Oui, parce que c'est toi qui commences. Oui. Donc, je vais me défendre avec... De toute façon, c'est Nick Fury qui va prendre les dégâts. Donc... Bah oui, mais quand même, tu dois flipper pour voir si... Oui. Alors, un, quand même. Un, il m'attaque, donc... Il fait plus 3, ça fait 4, ça fait 6. Ça fait 6. Et ben... Par contre, on s'est planté sur Tenace. 6, donc... Pourquoi on s'est planté? Non, on s'est pas planté sur Tenas. Si, parce que la prochaine fois que ce personnage est censé subir de n'importe quelle quantité de dégâts, défausser cette carte à la place. Ouais, donner une carte Tenas à Rhino, on lui a donné, elle est là, Tenas. Oui, mais moi j'ai infligé des dégâts tout à l'heure. Donc il aurait pas dû les prendre avec Nick Fury, les 2 dégâts que je lui ai donnés, en fait, il a dû enlever sa carte. Bah on va les remettre, c'est pas grave. Voilà. Ouais, c'est tout. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Je prends 6 de dégâts, donc Fury en prend 3. Je pense que là, dans les commentaires, ils vont dire « Oh putain, les mecs et tout !» Oui. Qu'est-ce que c'est que cette partie? Alors si effectivement, vous n'êtes pas débutant, c'est la misère pour suivre. Oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué. Fury en a pris 2, donc Parker en prend 4. Ah, parce qu'il a le déferlement, là, c'est ça? Ouais. D'accord. Il a tout pris. Donc... Ok, ça vire, et ça vire aussi. Hein. À la fin de la carte, oui, dès que ça tient pas, c'est bon. Et la mienne, il manigance, donc il me faut une carte pour voir le boost. Et B2, mais si, il y a 2 boosts, rien. Il y en a 2. En bas. Non mais... Ah oui, excuse-moi. Mais oui, bah qu'est-ce qui... Mais Mathieu. J'ai beau remis mes lunettes, je suis bigou. Mathieu. On sait qu'on joue en mode facile, mais quand même, c'est pas non plus le mode tuto, là. On prend pas les étoiles, on s'en fout, allez, c'est notre partie, et je pose toutes mes cartes. Et là, tu dois prendre ta carte et m'en donner une aussi. Ouais. Monsieur Sandman. Toi aussi, t'as un petit sbire. Ouais, tenacité, lui, il rentre avec une jetonnasse. Oh là là. Et moi, j'ai choisi, c'est soit vous subissez 2 dégâts, ou soit je prends... Bon, je vais prendre 2 dégâts, hein, parce qu'après, je suis en Tony Stark, c'est pas grave. Je peux pouvoir me mettre directement dessus. Okay. Hop, ça, je vais mettre ça chez moi. Tac. Et ben c'est à moi, c'est ça? C'est pas toi de jouer. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai Peeper Pulse, qui me permet d'incliner. Je génère les ressources de la carte du dessus de la pile de défausse. C'est bon, ça? Ça, c'est pas mal. Le pouvoir de la gracilité de main, doubler le nombre de ressources générées. Ok. Alors, je vais jouer le pouvoir de l'agressivité, qui est là, ouais. Et qui me permet de doubler, en fait, les cartes générées rouges. Donc, je vais mettre mon armure, qui est là, qui me permet de redresser Iron Man. On a Ensuite, je vais...
J'ai combien déjà avec Iron Man quand je le flippe? J'ai 1 en attaque. Ah ouais, lui, il est bien pour contrer. Ensuite, je vais jouer pareil le prix de l'agressivité et machin, ici. Pour mettre Peeper, qui est là. Tac. Okay. Donc ça, je vais les mettre là-dedans. Okay. Est-ce que je me tourne maintenant? J'ai 3 pièces d'armure, c'est pas ouf ouf. C'est pas foufou. Oh, espèce de conne. Oh, connasse. Oui, il y aura beaucoup d'insultes aussi ce soir. Il insulte toutes les meufs. Quoi. Non, les mecs aussi. Hein. Mais, oui, action, regardez, regardez les 3 cartes. Je vais faire ça encore. Je vais draw 3 cartes. Je vais prendre ça. Alors, une première, la deuxième et la troisième. Qu'est-ce que je vais garder? Alors ça, ça c'est pas mal. Ouais, et ben je vais garder ça. Ou alors je me fais une petite combo sympa maintenant. Je me dis que ça, ça va là avec Peeper et tout machin. Je génère des trucs. Oh, oh là là, c'est un peu la misère sociale. Ça déjà, je vais virer. Équipe, c'est pas mal, ça, putain. Parce que là, il a 8, il doit avoir 14 comment ça s'appelle ? De menaces. Mmh. Donc, en un tour, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, je sais, ouais. Alors, je vais enlever ça. C'est dommage, mais ça, j'ai plus. Donc, je vais enlever ça. Je vais attaquer avec Tigra. Je vais attaquer le poseur de bombes. Ok. Alors, par contre, alors, ça dit quoi, là? Ça dit que, après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire, soigné là dedans. Mais vu qu'elle se prend un, comment ça se passe? C'est compliqué, là, parce qu'elle meurt aussi. Et mais vu qu'elle se soigne, elle reste à deux. Elle prend trois, elle se soigne. Moi, je dirais le principe qu'elle garde deux, parce que je joue en mode facile, mais Oui, bon, ça va, on va dire ça, voilà. On va dire qu'elle meurt, voilà. Ça meurt. Elle récupère son 1. Et puis, je vais mettre poursuivons-les. Poursuivons-les, on me dit que, après que j'ai, après que votre héros a attaqué et vaincu... Ah, c'est le héros! Pff, putain, c'est vrai. C'est vrai que c'est le héros qui fait ça, merde. Bien, mais c'est... Eh ouais, c'est le héros. Tu peux passer en Iron Man, hein, si tu veux. Bah non, j'aurais que 4. J'aurais que 4, c'est pourri en taille de main. Ouais, mais alors là, pour le coup, c'est d'accord, parce que ça te permet de réduire la manigance. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je vais buter lui, quand même. Je vais buter lui. C'est plus simple. Et je vais me dire... Ah, c'est par orgueil, ça. Mais je vais me dire peut-être encore un tour. Ok. Mais tu sais, Catran, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas écrit... tu vois, il y a écrit « Regardez les 3 cartes du dessus du deck » et j'en ajoute un à ma main. Mais il n'y a pas écrit « tu le tapes, en fait, Tony Stark ». Donc, il reste comme ça. Hein. Bah, pour moi, oui. Donc, je vais profiter de ça pour me mettre 2 points. Après, c'est une action. Donc, après, je ne vois pas pourquoi tu devrais l'incliner. Oui, parce que là, il y a écrit, tu vois, incliner la tour Stark et tu choisis un joueur. Mm. Ce joueur envoie dans sa main. Donc, le truc tech. Mais tech, j'en ai pas, quoi, ici. J'ai rien. Si je regarde un peu là-dedans, ouais, j'ai pas de tech ici, non. J'ai pas de tech, j'ai que des soldats, des trucs. Oh putain, c'est la merde. C'est la chienlit, là. Mm. Là, franchement, c'est la misère. Bah, c'est tout. Moi, je fais ça. Ok, ça marche. À moi de vous. Oui, absolument. Alors, je jette ça, ça et ça. Ok. Pour mettre Luke Cage, qui a tenacité, et lui, du coup, quand il se prend un dégât, il enlève juste la tenacité. C'est bon, il est trop fort, lui. Ouais. Il est vraiment très très fort. Hop, je copie le collier. Hop, yes. Token tenace. Donc ça, c'est la première chose. J'utilise une ressource de ma truc d'araignée. Oui. Hop, pour me mettre ça. Bababa, qui est inébranlable. En réponse, une fois que ton héros a défendu, tu peux défausser pour le redresser. Ce qui permet de le rejouer au prochain tour, en fait. C'est bien, ça. Bah oui. Et donc, Luke Cage va attaquer. D'accord. Il va attaquer, donc, l'homme des... Ok, donc on lui enlève tenace, quoi. C'est ça. Et puis, donc là, lui, c'est fait. Toc. Et donc, après, c'est Parker qui va attaquer. Enfin, d'accord. Qui attaque à 3. Qui attaque le... D'accord, donc il lui... on va lui mettre un... Je 3 dégâts. Ouais, 3 dégâts, vas-y. Je peux pas faire mieux.
Ouais, c'est compliqué. On peut pas faire mieux. On redresse nos personnages. Ouais. Je sais pas, mais... Et puis, bah, on récupère nos cartes surtout. Hein. Ouais. Donc alors. Non, tiens, je voulais faire un dernier truc, mais là, ça change rien de toute façon. Le fait quand même, fait haut. Non, mais c'est équipe médicale, je vais le faire. Je l'incline, je dépense ouais. Une et je te soigne de deux tigres. Ah, c'est bon ça, merci. Hop, nickel. Hop là, ouais. Et ben, c'est parti, avec 2, donc ça lui fait un 5. Putain, il a 10, hein. Ouais. Mais ça va être chaud. Là, s'il met... s'il manigance et qu'il met... Ah non, il pourra pas mettre 4, c'est pas possible. C'est le maximum du boost, c'est pas possible de mettre... Bah, écoute, on va voir, donc oui. C'est toi le premier joueur, donc il manigance. Il manigance. Il manigance à 2 et il fait 3. Oh là là, il lui reste 1. Ouais. Au prochain, on enlève la manigance de ouf. Après, c'est moi qui va attaquer, donc moi je me défends pour le coup. Ok. Donc il m'inflige 2 et 2, ça fait 4. Moi je défends à 4, donc je prends pas de dégâts. Mm-hmm. Et par contre, ce que je fais, c'est que je jette inébranlable. Et pour te redresser. Exactement. D'accord. Donc, et là c'est ok. Par contre. Est-ce que l'homme des sables, lui, va attaquer? Oui, il t'attaque. Ou ouais, bien sûr, il t'attaque, ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, il va attaquer Luke Cage. Donc, Luke Cage enlève. Tenace. Il est trop fort, Luke Cage. C'est vraiment. Bah, il me faut une carte. Tiens. Putain, là, en fait, on peut perdre. Ah, heureusement que c'est ça. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ouais. Mais tant que lui. Ouais, il a garde. C'est un ouais, gardien. Peut pas bon, non, je peux pas attaquer, mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Moi, j'ai assaut. Il t'attaque. Attaque le méchant. Ah putain, il m'attaque. Voilà. Ah, tu peux donner ton Luke Cage encore, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, mais là il m'attaque de 2 et je tire une autre carte aussi pour le booster. Oui, ou oui, oui, bien sûr. Ah, hein. D'accord, non, non, mais ça marche. Donc ça fait 3. Oh là là. C'est lui. Non, mais tu jettes la carte, attends, l'armée pas au-dessus du deck, saleté. Excuse-moi. Non, mais oh. J'ai fait un misclic. Et c'est 3 dégâts pour Luke Cage. Ok. Et c'est toi qui es premier joueur. C'est moi qui suis premier joueur. Alors moi, tu sais, je vais pouvoir te niquer ton truc là, hein. Ton l'homme des sables, hein. Pour après faire une combo, tu sais, avec les trucs. Ouais. Ce qui est con, c'est que moi, mon truc médical, je peux faire soigner que les trucs à nous et pas les miens. Eh ben, tu fais soigner ton Luke Cage. Non, bien précisé, un personnage ami. Ah merde. Un ah ouais, d'accord. Ami. Alors, ah, oui. Pour moi, c'est considéré comme. Oui, 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 oui. Ah attends, attends. Ah, je sais pas. Hein. D'un personnage ami. Un personnage ami, je sais pas ce qu'il... Ouais, mais un personnage ami, ben, un personnage ami, c'est un personnage ami, ton Luke Cage, là. Parce que sinon, il t'aurait mis d'un autre joueur, comme c'est stipulé dans entraînement de combat. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Là, il t'aurait dit de jouer un truc sur un joueur, un soutien, quoi. Vas-y, bah écoute, je fais ça alors. Non, mais y a rien qui dit ça quand même, c'est bon, on peut. Attends. Non, non, on est déjà mal barré. À un moment donné. Mal. Ouais, voilà. À un moment donné. Il faut se faire du bien quand même. Parce que là, il faut absolument qu'on enlève sa manigance là. Ah, bah là, on est dans la merde. Je vais lui enlever sa manigance, je vais essayer de faire des trucs à côté là, pendant mon tour. Okay. Pendant mon tour, je vais essayer de faire des trucs de ouf. Ce que je peux faire, c'est que je vais jeter, ça me fait chier de jeter ça et ça. Plus... Ouais, putain. Bah, tant pis. Ah, les choix sont durs. Hein. Ouais, ouais. J'ai ces 3 cartes là. Ouais. Black Widow. Ah, c'est la première... Tu sais, je vois pas beaucoup de personnes jouer ça, là. Cette rouquine. Vu qu'on a que la boîte de base, en fait... Oui, bah oui, on le rappelle, bien évidemment, on a que la boîte de base, ça n'a aucun sens d'ailleurs, on n'est pas là. On n'est pas aux règles. C'est que c'est Luke Cage qui va attaquer l'homme des sables pour le tuer. Et tu préfères pas que moi je le bute parce que j'ai des cartes qui permettent de réduire la manigance quand je tue des sbires et tout. Bah, t'as déjà ton sbire. Ouais, mais alors, c'est pas un problème. Là, il lui manque un point de dégâts, moi je le fais. Sinon, attaque le sbire dans ce cas-là. Et bah, j'attaque ton mercenaire d'Hydra alors. Comme ça, tu lui mets 2 et je vais pouvoir finir les 2, quoi. Ok, bah vas-y, je lui mets 2. Et est-ce que je peux réduire la manigance avec Black Widow ou pas? Oui, bien sûr. Elle a 2 en contre, bien sûr. Je réduis de 2 alors, la manigance. Hop là. Donc j'enlève 3. Et je te mets 1. C'est parfait. Eh,
cette synchronisation des jetons. On est bon. Et tu fais quoi avec ton Spider-Man? Tu l'attaques, ouais. Tu contres? Bah, le problème, c'est que je suis obligé de contrer parce que je peux pas attaquer parce que t'as ton sbire là. Soit j'inflige le dégât au mercenaire du drap. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais c'est moi ça. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. C'est moi qui ne peux pas attaquer le méchant, mais toi tu peux. Mais bah, si je l'attaque, alors je vais juste reprendre le dégât directement. Ok, bon, bon vas-y, tu peux le faire. 1, 2, 3. Ok. Alors, il y a une combo, c'est alors, qui est. Il faut vraiment que j'arrive à checker le truc et comment je pourrais faire. Le public regarde là en plus. Le public le retient son souffle. Là on est dans l'euphorie. Écoute, je vais faire une action, je vais regarder les 3 cartes de mon deck. Putain, il me reste 11 cartes, il faut que j'ai mon masque maintenant. Quoi. Donc alors, deal. Ok. Alors, c'est pas de la merde, mais ça va. Je retiens mon souffle. Oui, elle retient bien. Alors, je vais jeter ça. Je vais jeter ça. Que j'ai tué, que... Mais je suis obligé. Je suis dans la merde, sinon. Et je vais mettre. Ça, c'est quoi? Et je vais mettre. Donc, pour 3. Eh, c'est la vacherie, mais je suis obligé de faire ça. Donc je vais incliner Piper machin, là, qui me donne 1. Okay. Je vais faire ensuite ça, qui me donne 2. Et je vais faire ça, qui me donne 3. Et je vais mettre l'armure, qui me donne 6 points de vie. En plus. Oui, quand même. Donc là, je suis à 16. Hop. Ça, je mets ça ici. Ensuite, je flippe. Bam! Iron Man! Ta 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 ta. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, infliger un dégât à un ennemi et déposer les 5 cartes du Tchitbodek pour chaque ressource. Ah ouais, j'inflige un. Bon, ça, je m'en fous. Je vais virer quand même le rayon qui se trouve là et je vais mettre mes bottes. Bam! Oh, il est chaud. Donc je gagne un point de vie, je suis à 17. Attends, par contre, t'as déjà tes bottes, oui. Bah c'est bon, mais alors je peux en avoir deux, hein. C'est les bottes figées. Bah forcément, t'as deux pieds. Tout à fait, monsieur, j'ai deux pieds, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça fait, ça? J'incline et j'inflige un dégât, mais deux si je suis aérien. Incliné. Ouais, et je peux enlever ma ressource, mais la seule ressource que j'ai, c'est celle qui va me faire enlever la manigance d'ici. Puis la même danse là, Ouais. Je vais du coup attaquer avec Iron Man, je pense, ton mec là, parce que ça va te faire chier ça. Et après, je vais pouvoir le redresser. Donc, je vais faire ça. Je vais incliner. Je vais tuer lui. Donc, lui il se casse. Okay. Hop, on enlève le petit jeton. Ensuite, je joue Poursuivons-les, qui me dit que quand j'ai vaincu un ennemi, je retire 2 manigances. Ok. Donc, on est à 3 ici. Oui. Ok. Ensuite, je tape mon armure qui me permet de redresser mon Iron Man. Ouais. Ensuite, je peux incliner les gantelets pour infliger un dégât. Donc, j'incline les gantelets pour infliger un dégât ici, du coup, il meurt. Ok. Ça, on enlève le truc. Ok. Du coup, ensuite. Ensuite, eh ben, je vais contrer pour lui enlever 2, je crois, c'est ça. Ouais. 2. 2. Et ensuite, je vais contrer avec Tigra pour lui enlever 1. Ok. Est-ce que ça vaut pas le coup de lui infliger plutôt 2 dégâts, là, pour le coup? Ben, c'est la manigance, ça me fait peur. Okay, parce que là on est à 6, du coup ça respire un peu. Quoi. Ça. Ouais. Là on respire un peu. Et j'ai une action en alter ego. Merde, j'aurais dû faire ça. Ah non, j'ai pas de truc tech donc ça sert à rien. Et j'ai mes bottes fusées qui me servent à rien. Et j'ai ça qui me sert à rien. Du coup j'ai tout fait quoi. Bah écoute, c'est déjà un bon tout. Ouais, c'est pas mal. Non, c'était pas mal. C'était gentil. Hop, ça, et là j'ai 17 points de vie, là mon gars, non, je vais commencer à foutre la merde. Mon Spider-Man, ouais, bah il faudrait peut-être que tu le mettes en alter ego là.
Ouais. Là, ça il va me être. Reste un dernier truc à faire. Mais ça va, t'as deux bloqueurs, donc tu t'en fous. Oui. Donc là, t'as deux bloqueurs. Donc il monte, et donc il est à... on lui met 3, on lui enlève 1. Ouais. À 8. Et c'est à toi, ouais. C'est toi qui l'attaque en premier. Qu'est-ce que tu fais alors du coup? T'es obligé de choisir maintenant si tu bloques ah, ou oui, tu... je me avant de. Non, non, en fait, c'est ça que je fais. Ah. Et attends, mais depuis tout à l'heure, est-ce que tu tires une carte avec Spider-Man quand tu te fais attaquer? Parce que tu Non, pioches une carte, hein. Là, du coup, tu pioches une carte et tu joues ton Ok. salto. Ok. Mais parce que j'ai rien fois que je fais interruption, donc pour moi, c'est que quand tu fais interruption que tu. Non, il y a écrit. Ah Quand le méchant oui. initie une attaque contre vous, tu pioches une carte. En fait, tout à l'heure, il t'a attaqué. Mais pioche encore deux cartes, là, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est pas. J'aurais dû le faire. Bon, bah, ça, sachez que si on perd, c'est parce que, voilà, on a fait du misplay. Mais c'est pas tellement. C'est pas... Tiens, récupère ta carte de merde là qui encombre le truc. Ok, voilà. Donc moi mon attaque elle est esquivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi je vais prendre, je m'en fous. Tu défends pas? Non, je m'en fous. Ouais, je comprends. Donc tu prends 4 de dégâts dans ta gueule. 4? Ouais. Ok. Donc 13. C'est pas un problème. Après, moi, t'as je ta tiens carte. Ma carte. Yes. T'as Vas-y. la tienne. Prends la tienne d'abord. Oh là là là. Bah bon, c'est un mercenaire, moi pour moi. Et moi, c'est il est Igarne tenace. Oh putain, ça s'arrange pas ok, ça. je te récupère le premier truc. Tac. Vas-y. Attends, mais j'ai même pas refait ma main, mais je suis un ouf. Bah oui, moi je vais faire. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc je suis à 6. Alors, 2. Les mecs ils sont en train de dire putain, ils jouent comme des porcs. Ouais, c'est quoi? Là, on va recevoir une vague de hitter en disant. Mais non, non, on va recevoir que des mecs en disant c'est formidable, c'est comme à la baraque, c'est à la bonne franquette, on fait ça. Ah, mais c'est compliqué avec. Quand on n'a pas les cartes dans la main, c'est dur. Qu'est-ce c'est que. C'est l'habitude, mais oui, si mais les oui. retours sont positifs, on en fera plus régulier. Non, on en fera tout le temps en fait. Vu Là, on passé, vous ment, mais on en fera tout le temps. qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, du coup. Est-ce qu'il y a moyen moi, de faire un truc sympa? J'ai des bons moves, moi, dans quelques minutes. Tu fais ce qu'il y a à faire, mec, on peut finir la partie. On est en mode facile pour la première, bien évidemment. Ah, on fait que le 1 là? Bah, comme tu veux, si on fait les On fait que niveau 1? Non, parce que si on fait niveau 1, on a gagné. Hein. Mais il y a 18, donc on voit. Bah, c'est fait. Bah, attends, mais je peux coller à ce tour-ci bah, 18. Bah, moi je peux. Même toi, 18, tu peux. Bah, c'est bon, mais tu peux. On fait 16, quoi? On fait une partie à 18, après, comme ça, on. Ça fait combien de temps qu'on joue d'ailleurs là? On sait même plus. Ça doit faire au moins une bonne. Non, ça va. Je regardais s'il n'y avait pas une chaîne érotique derrière parce que j'avais la télé d'allumé. Je me suis dit merde, si depuis tout à l'heure il y a des trucs sexuels qui se passent. c'est indépendamment de ma volonté, c'est pas fait exprès. Au pire, je mettrai un logo violet et tout en bas de la. vidéo. C'est ça. Mais ouais, on fait quoi? On fait un niveau ou on va au deuxième? Ouais, on fait le mode facile et après on voit. Bon, d'accord. Là, on a fait pas mal de petites erreurs. Dans ok. Alors du coup, écoute, je vais incliner cette formidable femme qui me donne cette ressource-là, qui est la violette. La violette me permet de gagner le trait aérien. Du coup. Aérien, ok. Parce que je l'utilise avec les bottes fusées là. C'est ça, hein? Incliner les bottes et dépenser une ressource. Voilà, j'incline les bottes, j'ai dépensé ma ressource, je suis aérien. Ensuite, vu que je suis aérien, je vais dépenser ça et ça pour jouer le coup de poing supersonique. Si je suis aérien, je mets 8 dégâts. 1, 2, okay. Donc il est à 10. Ok. Hop, donc ça c'est fait. Oh, laisse-moi quelques claques et lui donner quand même, parce que si tu donnes tout. Non, je pense que je vais tout donner. Je vais rien laisser. le gros salaud. Je vais ensuite mettre ça pour mettre mon casque, qui est là. Okay. Le casque me donne rien du tout, mais si je suis aérien, j'enlève une manigance de plein de trucs. Mais là, je peux pas. Donc, du coup, je vais incliner ça pour enlever un d'ici, donc il en reste ça deux. Marche. Ensuite, je vais... Tu peux faire 10 points de dégâts ou c'est compliqué? Je peux faire 10 points de dégâts. D'accord. Ensuite, je vais faire ça pour contrer 2 de manigance avec Iron Man. Donc, tu peux enlever les deux. Oh,
les deux d'ici, là. Elles y sont ou pas? Non, c'est bon. Ok, donc ça c'est mon Iron Man. Je joue ensuite les gantelets énergétiques. Je suis aérien, je lui fais 2. Ok. Parce que toi tu vas pas pouvoir le taper, t'as le garde là. Donc est-ce que du coup je t'entame pas le garde déjà? Le garde il a 3 points, ça va être mes 2 gars qui vont. D'accord. Ensuite je fais ça et je remets mon Iron Man et je retape mon Iron Man pour enlever 2 de manigance ici. Ok. Donc il lui reste 3. 3. Et ensuite, je vais caler 2 ici. Et je lui prends un dégât. Et c'est à toi. Ok. Bon, écoute, moi, ça va être rapide, parce qu'en fait, en gros, je vais Luke Cage et Black Widow vont attaquer le garde. Ok, donc il est mort. Donc le garde est mort. Paf. Alors... d'ailleurs, attends, j'ai fait un mauvais truc. Je lui remets 2 dégâts parce qu'il était tenace. Ok. Et tu peux lui mettre 8 ? Oui, je peux lui mettre 8 parce que je vais dépenser donc 1. Ah, et tu fais le balancier. 3 et hop là. Tu sais que tu peux même utiliser de ton truc là. Oui, non, mais non, parce que je suis. Ah oui, lui là. Oui, de toute façon, vu qu'on a. Et 8 dégâts et bim ! On a gagné, nous avons gagné le mode facile encore une fois. Facile encore une fois. Voilà, ne nous attardons pas, nous avons mis le mode facile, effectivement. On ne fait pas non plus un peu les sornettes, machin. Après, le but, c'était vraiment de voir aussi le retour des gens, savoir si ça leur plaît ou pas. Et puis, oui, ça leur a plu, là, ils ont dû rire et tout, machin. Bah, mettez dans les commentaires. Genre des dislikes de ouf, c'est tout. Bon, c'est mais, de la merde. Ça, c'est habituel, ça, les dislikes, c'est pas vraiment un problème. Non, mais par contre, c'est vrai que, alors, le module tabletop nous permet, entre guillemets, de jouer en fait à tout. C'est vrai que ça, celui-ci il est assez simple parce qu'on l'a remodifié quand même un peu en aparté. Oui, parce qu'il était un peu compliqué le comment ça s'appelle le workshop, non? Comment ça s'appelle le workshop? C'est le workshop. D'accord. Donc c'est où vous pouvez trouver en fait plein de modules zombicide, etc., site, etc., dessus. Donc peut-être mettez-nous en commentaire le prochain jeu que vous voulez qu'on joue en fait, ce serait peut-être plus simple. Est-ce qu'ils ont flamme rouge dedans, je pense, hein? Ah, ils ont peut-être flamme rouge. C'est ça serait pas mal, ça, de faire flamme rouge, quand même. Et même un Rallyman GT aussi, oui. Ça me plaît bien. Est-ce qu'il y a Rallyman GT dedans? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il était pourri. Hein. C'était la misère, on a rien pu prendre et tout, machin. Mais ouais, ça serait pas mal, flamme rouge. Hein. Flamme rouge, ça serait vraiment pas mal. Même Rallyman, en fait, ça serait pas mal. Bah, je connais pas, moi, tu m'en as parlé beaucoup, donc... Ouais, ça serait pas mal. Mais mettez de toute façon dans les commentaires le prochain jeu que vous voulez qu'on joue directement. Et puis après, ça peut être un truc digital. Je sais pas si toi, t'as des trucs dans un jeu sur Steam, du genre Colt Express, Mysterium, machin. Mysterium, je crois que je l'ai. Tu l'as? Bah, ça serait bon, ça. Ouais. Et ben, on pourra faire Mysterium. Et ben, écoutez, voilà. D'ailleurs, le plus simple, vu que nous, on va être là-dedans, et si vous voulez nous joindre à nous, et ben, on pourra faire un let's play avec des abonnés pour le coup. Ouais, on pourra se mettre dedans et ça peut être bien marrant. Par contre, celui qui joue le fantôme, ça sera la merde pour lui parce qu'il ne pourra pas parler. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on mettra Mathieu en mode fantôme et mettez directement, mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse un Mysterium parce que ça joue à 6, je crois, c'est ça. Il y a un fantôme et 4 mecs, 5. Ouais, je crois que c'est à 4. 5, 6. Ah, ce serait pas mal ça. Mysterium, ça serait pas mal. Voilà. Bah écoutez, c'était un let's play et je me gratte en même temps l'œil. C'est terrible ça, Mathieu, de pas se voir en même temps, on sait même pas ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Toi, ça se trouve, tu es à poil chez toi et tu te touches le téton et on sait même pas ce que tu fais. Non, je suis avec mon maillot Spider-Man parce que je voulais être raconté. Ah, tu vois, je n'avais même pas vu que tu avais un maillot Spider-Man direct. Eh bien, portez-vous bien, des bisous partout, on se retrouve peut-être dans 2 jours, si on a le temps, nous, de monter ça. Sur pourquoi pas un Mysterium, c'est vrai que ça peut être pas mal, ou alors on partira sur un flamme rouge. Peut-être. Ou un nouveau Marvel, hein, si ça plaît. Ah oui, ou un nouveau Marvel, effectivement. On fera une partie complète sans le mode facile. Là, c'était un peu la mise en bouche entre nous. Ouais. Voilà, exactement. Et puis, on repartira dessus. Voilà, restez chez vous. Des bisous partout. Jouez bien. À bientôt. Ciao, ciao.